deuxième période commence par un corner pour Montpellier. Corner joué en deux temps. Centre pour la tête piquée de Sanchez. Ballon renvoyé dans les pieds de Lefebvre qui pivote et marque. Montpellier égalise après 6 minutes dans cette deuxième période. Égalisation Montpellier-Rennes par Gravelaine qui donne à Timothée. Et Timothée marque lui son sixième but en championnat. Toujours un partout. Coup de théâtre d'autant que 2 minutes plus tard, eh bien Mahouvé sert Delay qui marque son sixième but. On se dirige donc vers la première. Pour Sorlin, Dos Santos, on est dans les toutes premières secondes. Maolida, Delay, Maolida, le 1-2. Maolida seul face à Christophe Revault pour l'ouverture du score. Après 5 minutes seulement, Toi Filou Maolida qui avait marqué la semaine passée contre 3 récidives. Son quatrième but de la saison et apprécié le talent de Delay. Et le geste final de Maolida. 1-0 pour Montpellier, surprise au stade de la route de Lorient. Rennes qui s'est incliné cette saison que 3 fois à domicile. C'était contre les gros Paris, Lyon et Lyon. Frappé par Manuel Dos Santos, repoussé par la défense rennaise. La reprise de Pascal Fugé-Djelic qui laisse intelligemment passer le ballon entre ses jambes. Et derrière, Rui Pataka, lui n'était pas en position de hors-jeu, au contraire de Philippe Delay qui était juste derrière lui. Mais le Portugais n'en a cure de ce hors-jeu de Delay. Et il marque là le deuxième but du match pour Montpellier. Et son cinquième personnel dans le championnat de France. Barbosa pour frapper le corner. Et la tête de Franck Sylvestre, une défense rennaise extraordinairement passive. Et Sirène a monopolisé le ballon en deuxième période. Les Rennais ne se créent aucune occasion. Et au contraire, encaissent déjà deux buts. Le premier par Pataka, le deuxième par Sylvestre. Il avait déjà marqué Sylvestre lors du dernier succès montpelliérain à l'extérieur. C'était le... Thank you.